Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de politique, de spiritualité ou de philosophie, mais à la place, je vous partage une tranche de vie. Nous avons profité d'un week-end de 3 jours à toute fin mars pour aller visiter, dans la préfecture de Wakayama, la région de Nachikatsura. Nous sommes partis d'Osaka, où nous habitons, et nous avons pris le chemin le plus direct, autoroute et tunnel, pour nous rendre jusqu'à Nachikatsura. Un périple de près de 4 heures. Allez, c'est parti. Découvrons cette magnifique région ensemble. Top départ d'Osaka. On vient d'arriver, on s'est tapé un gros trip avec beaucoup de tunnels à travers les montagnes. 2 heures et quelques pour venir sur le premier spot ici. Magnifique. Nani atake kono ici, chérie. Hashiguiwa. Ce sont les pierres de Hashiguiwa. Nigeru. C'est trop génial, on vient de prendre notre petit déjeuner sur les rochers là juste devant l'océan. Et là il y a les vagues comme ça qui viennent jusque sur les rochers. Il y en a des grosses quand même. Hein. Je viens de me taper tout le chemin par là-bas, il y a encore mon épouse qui est en train d'arriver là. Il y a ma petite chienne qui me suit et là on arrive comme dans une crique, il y a des bouts de bois comme ça et il y a de la pollution aussi un peu partout, ça c'est les humains. Il y a des bouts de bois séchés comme ça, assez sympa et c'est comme une crique ici, une crique sèche. Par contre je sais pas si la chienne elle va pouvoir me suivre jusque là. Olé. 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 Là ça fait un petit saut quand même. Ça tient des kilos. J'abandonne la mission parce que la chienne veut me suivre et c'est dangereux pour elle. Donc on rebrousse chemin, on retourne à la voiture parce qu'on doit aller ailleurs. Dernière photo avant le départ.